Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant des heures. Bleu, 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 dans l'eau. Venez avec nous et découvrez les Chélys et le volcan magique avec ses perles extraordinaires. Bleu, 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 bleu. Au clair de lune. Max, tu as remarqué? Il y a une lumière très spéciale ce soir. Si on suit ce chemin, on arriverait directement au bateau pirate. Et regarde, Ciara! Il est dit ici que la lune est 400 fois plus petite que le soleil! Silence! Laisse-moi me concentrer! C'est juste que la lune est si intéressante! Sais-tu que... Arrête avec la lune maintenant! Tu devrais plutôt m'aider, car nos plans finissent toujours mal! Toujours dans les nuages! J'ai besoin de ton aide, on a un gros problème! Salut, Bridgie! Tu savais qu'il était impossible de siffler sur la lune? Oh, c'est le problème dont je vous parlais! Oh, oh, désolée si je ne m'approche pas pour dire bonjour! Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Vous voyez, on amenait des choses au volcan quand Sally a découvert un très beau gouvernail! Elle s'est penchée pour le voir de plus près. Hein? Et bam! Un coquillage qui bâillait lui a mordu la queue. Oh! Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas été blessée du tout. Mes écailles sont si dures qu'un jour un requin s'est déjà cassé les dents en me mordant. Ne t'inquiète pas, Sally. Oh, on va te sortir de là. Eh bien, on dirait qu'Oti est emballé. Oh! Oui! Drôle. Oh, eh bien, je ne suis pas un jeu de fléchettes. Je tire à puissance max et rien. Il est si têtu, ce coquillage. Oh, attaque de chatouille. Chatouille. Tout le monde sait que les coquillages sont très résistants aux chatouilles. Et si on lui demande poliment? S'il te plaît, petit coquillage, sois gentil et ouvre-toi. Même si tout cela ne fonctionne pas, tu n'as pas à t'inquiéter, Sally. Car pendant la pleine lune, le... Encore la lune? On a un petit problème, là. Concentre-toi sur la solution. J'essayais juste de dire à Sally que... Ça se complique. Un très grand courant océanique arrive. Il va tout emporter sur son passage. Sally doit sortir de là. Mais comment? Qu'est-ce qu'on fait? Et si on l'a frotté avec des algues grasses? Oui! Vous devez faire comme ça. C'est impossible! On doit s'assurer que Sally est en sécurité. On doit l'emmener là où la lumière de la lune brille. Les coquillages s'ouvrent toujours. Sérieux? Comment peux-tu insister avec ce truc de lune? C'est une vraie urgence! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Arrête, Lovely! Oti risque de tomber! C'est trop amusant! Je me sens comme Shelly la reine! Oh, les algues grasses sont super glissantes! Wow! C'est tellement rapide! Oh! Attention! Le courant arrive! À se coucher. On doit se dépêcher. Oui. Merci de m'avoir libérée. Tiens, c'est un cadeau. Comment as-tu fait pour qu'il s'ouvre? Lors de la pleine lune, les coquillages s'ouvrent complètement. C'est écrit dans le livre. Désolée de ne pas t'avoir écouté, Lovely. La mission aurait échoué sans toi. Tu as sauvé Sally. Hein? On doit y aller. Ah! On va bye!
les petits amis, plein d'aventures dans l'eau. Venez avec nous et découvrez les Chélys et le volcan magique avec ses perles extraordinaires. Le bouchon de baignoire perdu. Youpi! Ici, c'est mon côté et là, c'est le tien. Ok. Alors, c'est quoi ce jeu? Ce n'est pas un jeu. Je veux juste que tu arrêtes de toucher à mes affaires, car tu as cassé mon avion sous-marin. C'est de ta faute. Ta faute. Tu m'as harcelé pour mettre le super moteur dessus et comme il n'était pas prêt, il a explosé. C'est quoi cette ligne? C'est pour jouer à frontière? Je suis au pôle nord, je suis au pôle sud, nord, sud, nord. C'est pour ne plus partager mes affaires avec Mimi. Je ne veux pas partager non plus. Lovely, dis à Max que je ne lui parle plus. Max, Mimi ne te parle plus. Sweetie, dis à Mimi que je ne lui parle plus non plus. Mimi, Max ne te parle plus non plus. Je m'en fiche. C'est horrible. On doit faire quelque chose pour les réconcilier. Allez. Je sais qui peut nous aider. Je ne veux pas aller voir les Chélys. Oh, je suis sûre que les gâteaux de Bridgie vont te réconforter. On doit faire attention quand on saute, car l'autre jour, le bouchon a failli tomber. Quoi? Si ça se produit, la baignoire va se vider et on ne pourra plus revenir. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Je n'ai pas très envie d'essayer le nouveau luxe, Sally. Non. Tu vas voir, on va passer un bon moment. Qu'est-ce que vous faites ici? On était censé se retrouver au quartier des Chélys. J'y vais en premier. Non, c'est moi. Le bouchon bouge trop, là. Sweetie, essaye de les arrêter. On stoppe. Le bouchon, on doit le récupérer. Récupérer avant que la baignoire se vide. Allez, dépêchez-vous. L'eau s'écoule tellement vite. On sait. On doit enlever le bouchon du volcan. Max, peux-tu nous aider à déplacer le bouchon avec ton jet d'eau? Je ferais mieux de le faire. Enfin, moi, ça va. Je ne sais pas pour Mimi, vu qu'elle ne me parle plus. On a besoin d'aide pour les sortir de là. À la une, à la deux et à la trois. Je ne vous laisserai pas les sauver. Serpa, laisse-nous. On a besoin de ton aide, pas d'autres problèmes. Voilà, Serpa, aide-nous. Jamais, pour rien au monde. Et si je te donne ça? Allez, c'est l'un de mes préférés parmi ma collection. Oh! Si c'est demander si j'en tu vas, c'est toujours un plaisir de vous aider. Ok. Quand je dis, allez! Attendez une minute. Vous devez pousser en même temps. Je ne parle pas aux briseuses d'avion. Je ne parle pas aux pleurnicheurs qui me pressent. Oh! Si vous ne remettez pas vite le bouchon, vous ne pourrez plus jamais rentrer. Dépêchez-vous. C'est quoi cet endroit? Je reviendrai! Oui, on a enfin réussi, tous ensemble! Je suis désolée de t'avoir brusqué! Je suis désolée pour ton avion! Ami? 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 Oui! Ouais.
joyeux petits amis. Plein d'aventures dans l'eau. Venez avec nous et découvrez les Chélices et le volcan magique avec ses perles extraordinaires. La carte au trésor. Fasti! 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 Où es-tu? Hé, pas si fort! Tu vas me rendre sourde! Désolée! Ah, oh, il n'est pas là! Il doit sûrement manger des algues! Oh! Les empreintes de Fasti! Oh! Et regardez ce que j'ai trouvé! Waouh! C'est une carte! Et il y a un coffre! C'est une carte de pirate! Le trésor est sûrement rempli de pièces d'or! Ou de cupcakes! Cupcakes? Il n'y avait pas de cupcakes à l'époque! Bien sûr! Alors ils mangeaient quoi comme goûter? Je ne sais pas! Des biscuits? S'il y avait des biscuits, il y avait des cupcakes aussi, c'est sûr! Non! Tu l'as déchiré! C'est toi! Allez! Demandons de l'aide aux Chélices! Et nous aiderons à trouver le trésor! Je ne partagerai pas ma part avec toi! Moi non plus! Mais on était à la recherche de Fasti. Fasti! Fasti! Oh! Un trésor! À l'aventure! Qu'est-ce que tu portes, Max? Tu ne me reconnais pas, marraine! Je suis Barbe Noire, le pirate! Barbe Noire n'existe pas! C'est juste un mythe! Et tu n'as même pas de barbe! Ah! Vous voulez finir par dormir avec les poissons dans les bas-fonds de l'océan? Nous sommes déjà au fond de l'océan. C'est vrai. Max, Luna, prenez la carte. Cette créature d'eau salée saura comment la lire. D'après la carte, vous devez traverser la tranchée. Allons-y, mais... Hey, regardez ma partie, elle est mieux. Ici, c'est derrière le volcan. Allons-y, pirate, à la tranchée. Non, pas question, au volcan. Pourquoi ne pas rassembler vos parties pour trouver le chemin? Non, jamais! À l'aventure! Vous êtes sûr que c'est par là? D'après la carte, nous avons le vent avec nous! Eh bien, je pense qu'on est perdu! Vraiment? Vous avez peur, Moussaillon? Eh oh! On est à ta recherche! On est à ta recherche! À l'aide! Un monstre! Pas beaucoup de courage, ces barbes noires, hein? Où es-tu? Fasti! Fasti! Vous allez voir quand on va trouver le trésor. Max va devoir s'excuser. Allez, les filles! Allez! Qu'est-ce que vous attendez? Luna, tu es en train de couler! Hein? À l'aide! Attends, Luna! Je vais t'aider! Attrape le cintre! Oh! Oh! Ok, rassembler les morceaux de la carte n'était pas une si mauvaise idée, après tout. T'ai donné ma carte? Jamais! Je préfère marcher sur la planche. Quoi? Tu vas voir! C'est du gâchis! Aucun d'entre eux ne va trouver le trésor. Le volcan essaie de nous envoyer un message. Oh! Vous devez faire la paix. Il n'y a pas d'ennemis entre pirates. Zut! Nous sommes des pirates honorables. Faisons la paix. Allez! Unissons nos forces, l'ami. Le trésor est dans le labyrinthe. C'est juste ici. On doit déplacer toutes ces roches. Laissez-moi! Et moi! Waouh! C'est si beau! Ouvrons-le! Oh! C'est vivant! Mais depuis quand les coffres au trésor bougent comme ça? Regardez! C'est Fasti! Allez! Fasti! Vieux loup de mer! Tu vas trouver le trésor! Cool! C'était une mauvaise blague! Pas de pièces! Ni de cupcakes! C'est vide! Les filles! On doit y aller! Fasti! Tu es un petit aventurier! Tu voulais tout le trésor juste pour toi! Nous allons ramener le trésor au volcan! Amira! Le capitaine Barbe Noire a terminé son bain!